Il y a 150 ans, la Commune de Paris. Dans une église d'aujourd'hui, si on cherche bien, reste l'ultime graffiti jamais effacé d'un communard athée et provocateur. République française ou la mort. C'était une autre ville, c'était un autre temps. Aujourd'hui, on peine à retrouver ce qu'était la ville d'alors. Pas encore de statue de Jeanne d'Arc, pas de tour Eiffel, pas de tour Montparnasse, évidemment. Et surtout, pas encore de Sacré-Cœur. Une ville coupée en deux, l'Est, le Nord et le Sud, les prolétaires, à l'Ouest, les bourgeois. Ce n'est plus la même ville, certes, mais ses fractures sociales plus ou moins demeurent. Et Paris se révolte encore et toujours. Extraordinaire destin que celui de la Commune de Paris. Une révolte et un pouvoir qui n'a duré que 10 semaines avant d'être écrasé. Et qui, malgré tous les efforts en ce sens, n'a pas été effacé des mémoires. Vive la Commune. La Commune est devenue un mythe qui s'est répandu à travers le monde. Tout au long des 150 années qui ont suivi, des références à la Commune n'ont cessé de surgir. En Russie d'abord. En France, avant-guerre avec le Front populaire, puis avec la guerre d'Espagne. En Chine, avec la Commune de Shanghai en 1967, mais aussi en Allemagne dans les années 68 et récemment lors de soulèvements populaires dans toute l'Europe et quasiment dans le monde entier, même jusqu'aux États-Unis. La Commune de Paris. Pourquoi et comment de telles répercussions ont-elles prospéré au-delà des frontières durant 150 ans? Et encore aujourd'hui. En tant que mythe radical, la Commune de Paris est évidemment dans le stock de référence de tous les radicalismes de gauche d'aujourd'hui, Black Bloc et autres zadistes. Ça me paraît d'ailleurs tout à fait normal. C'est une utopie au sens étymologique du terme. Vous avez un espace-temps bien délimité, c'est Paris et son immédiate banlieue, ça dure 72 jours, donc c'est parfait. La Commune est un modèle tellement fort par cette prise de parole et de pouvoir à la base qu'il n'est pas surprenant qu'elle suscite de l'intérêt et des modèles partout où il y a ce désir-là de prendre le pouvoir à la base. Ce qui fascine dans la Commune, c'est l'invention quand même. La Commune. Il faut commencer par faire un peu d'histoire et comprendre, en quelques mouvements, comment tout a débuté. Flashback. C'est la guerre en 1870. La Prusse envahit la France. Très vite, Napoléon III abdique. L'empereur s'affale devant le chancelier allemand Bismarck victorieux. Les Prussiens avancent sur Paris. Durant 4 jours de combat, la bataille de Champigny en banlieue parisienne fait environ 13 000 morts et il semblerait que l'on ne soit pas à 5 ou 6 cadavres près pour obtenir un chiffre rond. Le siège de Paris par les Prussiens va affamer les habitants. On mange des... et même des... Aux eaux du jardin d'acclimatation, on aurait aussi mangé la chair des éléphants. Le gouvernement d'Adolphe Thiers signe l'armistice avec les Prussiens, mais il est très vite contraint de se réfugier au château de Versailles avec bon nombre de notables. C'est que la colère des Parisiens va s'amplifiant. Son armée tente de récupérer des canons laissés à Montmartre. Les Parisiens s'opposent, des soldats versaillais fraternisent. La Commune est née.
Nous sommes le 18 mars 1871. Le monde a changé, les hommes aussi, c'est la colère qui commande l'économie. Comment faire appliquer les bonnes règles? Les batailles sont violentes, les nôtres saignent. Le roi dans le château est loin, c'est la guerre dans la ville et le château est loin. Les cris de nos semblables ne résonnent plus jusqu'aux oreilles du roi car le château est loin. Ce monde attend que le ciel s'effondre. La prophétie mentionne la venue d'un gosse mais plus personne ne croit à ces vieilles légendes. Ce gamin attend que le ciel s'effondre. La prophétie mentionne l'avènement d'un roi, mais plus personne ne croit à ces vieilles légendes. Eh, quand je ferme les yeux, cette histoire résonne dans ma tête. Quand je ferme les yeux, j'entends plus que le chant des vents. Quand je ferme les yeux, ma tendresse étiole dans la haine. On pense souvent que la Commune a été idolâtrée, non seulement par le mouvement ouvrier, mais aussi par les intellectuels et les écrivains d'alors. Or, pas du tout. Il est évident qu'ils se répartissent, comme à toutes les époques, hein, sous Vichy ou ailleurs, dans toutes les familles politiques. Bon, la fameuse lettre, qu'on cite souvent à juste titre, de Flaubert à George Sand, où il dit clairement « Je suis contre la démocratie, je la hais, abolissons le suffrage universel », c'est sa réponse à la Commune. Effectivement, Flaubert n'est pas le seul écrivain à vomir communards et communardes. Leurs femmes, des mégères sans nom. On les abat à coups de fusil comme des bêtes enragées qu'elles sont, le comte de Lille. Ces femelles de la Commune ne pouvaient être naturellement que des prostituées ou des pétroleuses. Dumas fils. Les femmes de la Commune seraient des pétroleuses. Bien sûr, il y a eu les grands incendies que les communards, et pas seulement les communards, les Versaillais ont eu aussi une part, ont allumé et ça a été un drame. On a dit, mais c'est les femmes. C'est les femmes. Pourquoi? Parce que les femmes sont folles. Les femmes sont hystériques. Les femmes, c'est le feu. Hein? Et par conséquent, s'il y a des femmes dans une foule, la foule va s'enflammer. On voit bien que pétroleuse, ça nourrit en quelque sorte cette espèce de haine des femmes. Haine des femmes quand elles s'engagent, quand elles sont dans l'espace public et quand, évidemment, elles allument de l'incendie. Des cages ouvertes s'élancent les hyènes et les gorilles de la Commune, Théophile Gautier. C'était une multitude indisciplinée, raisonneuse, que l'alcoolisme ravageait. Maxime Ducamp. Ont répandu sur nos charniers leurs flots d'ignominie. Les Maxime Ducamp, les Dumas, ont vomi leur eau forte. Tout ça n'empêche pas Nicolas. Mais aucune de ces grandes plumes n'aurait jamais son nom frappé d'une station de métro. Ce que la République d'aujourd'hui retiendra, c'est seulement... Louise Michel. Faisons la révolution d'abord. On verra ensuite. Louise Michel. Une phrase comme celle de Louise Michel, c'est une phrase radicale. C'est-à-dire qu'il y a une énergie propre à la révolution et on se retournera sur le chemin parcouru après. Il est évident que c'est plutôt une phrase de militant que de dirigeant, à mon avis. Et ça nous rappelle que les histoires radicales se terminent mal en général. Elle pense que la révolution est l'acte fondamental, hein, que si on ne fait pas ça, le reste est vain. Hein. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle est très sceptique devant la République. Louise Michel, la République, elle la respecte, bien sûr. Mais enfin, pour elle, ce n'est pas la clé du succès, ce n'est pas la clé de l'émancipation. Donc, faisons la révolution d'abord. Elle fit le geste de se couper les cheveux. Les cheveux longs, c'était la marque de la féminité. Hein, et c'était la servitude des femmes aussi. Et d'une certaine manière, elle refuse ça. Elle s'est sentie une individu libre parce qu'elle voulait combattre. Les femmes de Paris sauront, au moment du danger suprême, donner comme leurs frères, leur sang et leur vie pour la défense et le triomphe de la Commune, c'est-à-dire du peuple. Vive la République sociale et universelle. Vive le travail. Vive la Commune. Cette révolution se fait avec les femmes. Les femmes prennent les armes et les femmes militent. Elles ont agi. Elles ont entrepris.
Elles ont fait des écoles, par exemple. Elles ont fait des associations. Union pour la défense de Paris et le secours aux blessés. De nouveaux blessés sont à secourir. Bien sûr, il y a l'océan Viking de SOS Méditerranée, mais aussi le Louise Michel, affrété secrètement par Banksy, le célèbre street artiste. Louise Michel. La commune a pris des mesures originales en ce qui concerne l'égalité homme-femme. Par exemple, l'égalité de salaire pour les institutrices, qui n'apparaîtra que bien plus tard, nous le savons, dans les années 1920. Et 100 ans après la commune, dans les années 1970, on pourra enfin entendre la voix du mouvement de libération des femmes, MLF, pour entre autres revendiquer l'égalité des salaires. Nous en sommes encore loin, à bien des égards. L'héritage de la commune se fait attendre. Il y a d'autres mesures intéressantes. Par exemple, pension pour les veuves de gardes nationaux, même si elles ne sont pas mariées, hein, si elles vivent en concubinage. Et de même pour les enfants dits naturels. 300 manifestantes se sont détachées du cortège et ont pénétré dans l'église où avait lieu un mariage. Les communardes étaient-elles vraiment à l'avant-garde du féminisme, tel le MLF dans les années 1970? N'exagérons pas la réputation féministe de la commune. La commune n'a accordé aucun droit politique aux femmes. Enfin, la question du suffrage universel, ça ne comptait pas. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Il y a d'abord le fait que les hommes avaient le suffrage universel depuis 1848 et que, au fond, que les femmes l'aient ou l'aient pas, ça leur était bien égal. Les femmes sous la commune n'ont pas revendiqué le droit de vote. Ça peut paraître surprenant, mais ça ne l'est pas tellement. Il y avait dans la commune un très fort courant libertaire, hein, dont Louise Michel était une adhérente complète. Plus tard, après la commune, Louise Michel ne revendiquera jamais le droit de vote. Elle considérait que c'était une duperie. Et il y avait un certain nombre de femmes dans la commune qui partageaient son point de vue. C'est le capitalisme qui a créé l'inégalité entre les sexes. Donc abolissons le capitalisme et on retrouvera l'égalité entre les hommes et les femmes. Parmi les femmes dont on a gardé la mémoire, il y a Cadol. Cadol qui aurait inventé le soutien-gorge pour libérer les femmes. Et Dieu sait si les sous-vêtements étaient une tyrannie. Hein. Le corset, quel ennui. Et par conséquent, qu'une communarde ait jeté ça par-dessus les moulins, si l'on peut dire, le moulin de Montmartre, pour créer le soutien-gorge, bravo à elle, merci à elle. Dérisoire héritage, ce soutien-gorge inventé par une communarde en 1898, certainement pas. L'idée de base d'Herminie était de libérer les femmes et de les émanciper par le travail. Évidemment, elle ne se détache pas encore complètement du corset, c'est tellement ancré qu'il n'est pas question de s'en séparer. Et c'est d'ailleurs ça qui va faire que ça va fonctionner, parce que si elle avait proposé que le haut, on n'aurait même pas regardé. Donc là, on a deux bonnets. Les bretelles et le dos, qui est aujourd'hui encore le soutien-gorge moderne d'une femme. Et plus tard encore, les féministes, d'abord aux États-Unis, vont vouloir se débarrasser du fameux soutien-gorge. Le MLF brûle les soutiens-gorges parce qu'au fond, le soutien-gorge, c'est encore quelque chose de trop. Les temps changent et ce que l'on veut, c'est le corps libre. Hein, libre de se sentir, libre de s'exposer et c'est une revendication de liberté supplémentaire. Les femmes ont une histoire. Voilà. Même la grande Simone de Beauvoir, que je vénère, disait « Les femmes n'ont pas d'histoire, ce sont les hommes qui ont fait l'histoire des femmes ». Eh bien non, Simone. Les femmes ont fait leur histoire et dans la commune, elles sont présentes. Et leur histoire rebondit encore et toujours. Les femmes partagent avec la commune un féminisme militant. Les seins nus et armés d'une tronçonneuse, elle a abattu une croix. Dimanche dernier, dans la manifestation catholique contre le mariage gay... Et un anticléricalisme radical. Un peu potache, cependant, si l'on se souvient de certaines franges de communards très, mais alors, très anticurées. «
On bouffe allègrement du curé. On fait même de la publicité sur le martyr des prélats. Il y a une politique religieuse de la commune. L'Église est séparée de l'État. Les cultes ne sont plus financés. C'est une politique qui est à la fois anticléricale et antireligieuse. On le voit à travers la réquisition des églises, leur transformation. Les églises sont investies par les oratrices. Libre parole pour tous. Le cinéma soviétique raffole de ces grands moments de lyrisme dont la commune a le secret. C'est d'ailleurs un communard, Eugène Potier, qui écrira l'International. On peut imaginer une version un peu iconoclaste qui résonnerait triomphante dans des églises accablées. L'église n'est pas alors seulement un lieu de débat démocratique. On pille également, on vole, on détruit. Cette séparation de l'église et de l'État, à cette époque, semble s'accomplir avec une brutalité exceptionnelle. Ce type de séparation est beaucoup plus anticléricale, beaucoup plus antireligieuse et vise non seulement à séparer l'État et l'église, mais aussi à démolir, enfin affaiblir jusqu'à la disparition qui est souhaitée explicitement de l'Église catholique, de ses pompes, de sa hiérarchie et de son influence dans la société. La commune vaincue, l'Église triomphe. L'édification du Sacré-Cœur, elle est là aussi pour réaffirmer l'importance de l'Église, de l'appareil de l'Église et de la sacralisation de l'espace parisien. D'autant plus qu'il y a eu des atrocités et des persécutions antireligieuses sous la Commune que l'on veut évidemment effacer. Et pourtant, 35 ans après, est votée la loi de 1905 qui sépare l'État de l'Église, loi qui régit encore de nos jours les relations avec tous les cultes. La loi de 1905 est beaucoup plus consignante, elle fait avec. Et il y a effectivement séparation, privatisation des religions, mais il n'y a pas cette volonté, et bien au contraire, cette volonté de détruire la religion. Car les positions révolutionnaires des communards ont tétanisé la société. L'idée séparatiste, elle était dans toutes les bouches, dans tous les slogans, dans tous les écrits des programmes républicains. Ce qui est intéressant, c'est qu'après la Commune, tout ce camp républicain abandonne complètement cette idée de séparation des églises et de l'État comme étant trop dangereuse. Donc visiblement, ce qu'a fait la Commune, c'est finalement retarder, malgré elle, mais retarder l'application du programme républicain. En 1905, la loi se veut pleine de compromis. Pourtant, son application va se faire tout de même dans la douleur. La situation est de plus en plus électrique cet après-midi, tant entre les forces de l'ordre et les manifestants. Alors, la laïcité a toujours divisé profondément la France. On est là dans une confrontation entre deux visions de la France catholique et légitimiste d'un côté, la France républicaine et progressiste et laïque de l'autre. Ce thème de la laïcité rebondira encore et toujours, serpent de mer de notre République. En 1984, des centaines de milliers de manifestants défilent pour l'école libre, enfin école privée et essentiellement catholique, depuis Versailles. Versailles. Les socialistes au pouvoir veulent une loi instaurant un vaste service public de l'éducation, unifié et laïque. Ça ne passera pas. Cette guerre des deux écoles, oui, elle se termine par cet abandon de la loi Savary après des manifestations monstres de catholiques, mais pas seulement, pour le maintien de l'école libre. L'idéal communard a du plomb dans l'aile. Laïque ou religieuse, c'est la question de l'éducation qui est au centre du débat. Et encore une fois, c'est la Commune qui a lancé des pistes audacieuses. À Société Nouvelle, Pédagogie Nouvelle,
il faut remettre l'enfant au centre d'une société solidaire, soutenir les plus défavorisés, encourager la mixité. Oh, gosse. Apprendre à écrire, certes, mais également savoir travailler le bois. Même en ville, comprendre la nature, respirer, s'ouvrir au monde. Certes, élever les esprits, mais aussi éduquer les corps. Accompagner l'élève quand il s'égare et pas seulement le punir. En somme, la commune préfigure une éducation alternative. Et puis cette revendication. Créer des crèches conçues près des usines pour que les travailleuses puissent venir allaiter leurs petits. Enfin, une décision qui frappe les esprits d'alors, gratuité des fournitures scolaires pour tous. Mais la défaite de la commune produira une réaction immédiate, bien éloignée de l'esprit communard. Un certain Émile Boutmy, écrivain et politologue, fonde Sciences Po avec l'appui de nombreux donateurs, estimant que les élites françaises sont faibles face à l'université prussienne et que c'est la cause de la défaite. Il pense que ces élites sont tellement rétrogrades qu'elles ont provoqué un sursaut d'éruption révolutionnaire. Pour éviter de futures communes, il faut enseigner autrement. Le projet communard en prend pour son grade. C'est la classe ouvrière influencée par les idées social-démocrates. Le parti communiste devrait regrouper la classe ouvrière. Les grandes écoles évolueront radicalement, mais ne resteront jamais à l'abri des soubresauts de l'histoire. Et les facultés françaises encore moins, souvent fer de lance de la contestation. Pour les maîtres assistants pour les assistants, et les assistants pour les étudiants. Le blocage illimité du campus a été voté en Assemblée Générale. Aujourd'hui, une trentaine d'étudiants occupent jour et nuit le site rebaptisé Commune Libre de Tolbiac. Rêve de commune, espoir d'un autre monde, espoir hanté par la violence et la répression, chacun accusant l'autre. Confiné en Angleterre, l'immense cinéaste Ken Loach nous livre sa lecture. Everybody knows about the great terror of the French Revolution. It is used as an example of why we should never have revolutions. But the great terror after the Paris Commune, the slaughter of people, the executions, the bayoneting, the ripping people apart, is of a terror. And that's the terror of the ruling class saying, we're hanging on to power. This again is part of the myth, one of the myths of our history, is that revolutions are violent. No, the violence comes when those who are dispossessed fight back. And the dispossessed are those who are accustomed to power, political power, economic power, social power. The violence comes when they say, we are going to stay powerful. La pression sur Paris est terrible. Les esprits s'enflamment. Quelques exécutions sommaires scandent ces deux mois de commune. Au début, des communards s'en prennent à deux généraux versaillais. À la fin, lors de la semaine sanglante, le pire est accompli avec le massacre d'une cinquantaine d'otages rue Haxo qui succède à la violence aveugle des Versaillais. On peut, dans certains mouvements violents d'aujourd'hui, voir comme un espèce d'écho de la commune, écho peut-être dévoyé d'ailleurs. Parce qu'au point de départ, les communards n'étaient pas nécessairement violents. Hein. Ce qu'ils auraient voulu, c'est réussir. Ce qu'ils auraient voulu, c'est que se déclenchent dans la France des mouvements. Dans les autres villes, il y en a eu. Marseille, Lyon, Saint-Étienne, que sais-je encore. Mais enfin, c'était un mythe, parce que le monde paysan était foncièrement hostile à la commune. Foncièrement. Paris est fou. Tous les communards ne pensaient pas qu'il fallait absolument un bain de sang pour que le peuple se libère ou s'émancipe. Comme en témoigne André Léo. André Léo,
prenant cette phrase remarquable, « Si nous agissons comme nos adversaires, comment le monde choisira-t-il entre eux et nous ?» Et ce que je trouve remarquable chez cette socialiste, au sens où elle adhère avant la Commune à l'international, mais qui sera classée anarchiste ensuite, c'est qu'elle a quand même une rectitude dans sa démarche qui se veut juste. Et en particulier cette superbe phrase au moment de la Commune, quand la Commune est en train de franchir évidemment la fameuse ligne rouge, disons, pour choisir une couleur, l'interdiction des opposants, l'interdiction en particulier de la presse d'opposition. Les communards, au fil des semaines, se fracturent entre violents, censeurs, dogmatiques et d'un autre côté humanistes et non-violents. Pour une partie de cela, il faut symboliquement détruire la guillotine et se démarquer de la Révolution française et de la terreur. Ce qui est fait place Voltaire devant la mairie du 11e arrondissement de Paris. En mémoire de ces communards, de leurs idéaux, les amis de la Commune de Paris ont détruit une guillotine devant la mairie du 11e arrondissement, comme une autre l'avait été 125 ans plus tôt, par opposition à la peine de mort. Des fumigènes simultent ici l'incendie sur fond international. Les traces où l'on posait la guillotine sont toujours bien là, et il aura fallu attendre le 18 septembre 1981 pour que les vœux de certains communards, et pas seulement eux, soient enfin exaucés. J'ai l'honneur, au nom du gouvernement de la République, de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France. Robert Badinter aurait pu ce jour-là prononcer les mots d'Henri Rochefort, journaliste proche des communards. Il s'agit aujourd'hui non plus de couper les têtes, mais d'ouvrir les intelligences. Le goût du sang continue pourtant d'attirer les médias. Mais il y a une autre énergie au cœur de toute révolte. La joie de vivre, l'exaltation d'enfin exister. Héritage joyeux de la Commune. Se révolter, c'est aussi faire la fête. De 1936 à aujourd'hui, le bonheur de partager la lutte. Il y a eu des fêtes d'abord par la volonté politique de démocratisation de la culture. Donc tout le mouvement d'artistes autour de Courbet pour la peinture, mais aussi les concerts. C'est la première fois qu'il y a des concerts publics d'orchestre qui sont offerts, je crois, aux Tuileries, au peuple. Est-ce bien le rôle de l'État que d'organiser de telles fêtes? Ici, nous n'y étions guère habitués. Nous n'organisons pas, on dit simplement... libre à chacun de témoigner par son instrument de musique de sa joie à voir l'été revenir. Mais naturellement, il n'y a pas d'obligation. Et chacun est libre. Est-ce bien le moment d'organiser des fêtes ? Cette dimension qui va être très importante dans la culture du mouvement ouvrier révolutionnaire après, c'est-à-dire la culture populaire, offrir la culture aux gens, ça, je crois que ça fait partie d'une des dimensions culturelles et festives de la Commune. Et puis il y a un autre signe aussi, là pour le coup du festif, c'est la trace dans la chanson. Comment on percevait la Commune quand on était jeune militant ? Ben, on apprenait les chants de la Commune. Les journalistes, policiers, marchands de calomnie ont répandu sur nos charniers leurs flots d'ignominie. Les Maximes du camp, les Dumas ont vomi leur eau forte. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la Commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la Commune n'est pas morte. Les communards s'emparent de tous les domaines de la société. La culture devient un enjeu éminemment politique. Ils occupent les Beaux-Arts, le peintre Gustave Courbet en tête.
Il s'agit d'inventer une autre relation à la culture et ne plus dépendre du pouvoir. Dans les projets de la Commune, on peut dire qu'il y a, en direction des arts, deux directions qui annoncent la suite. D'abord, la libération de l'artiste face à toutes sortes de tutelles. Et ça, c'est ce que j'ai souvent appelé la ligne libérale, au fond, hein, qui triomphe quand même au XXe, au XXIe siècle, en tous les cas, dans les démocraties libérales. Et puis, il y a l'idée qu'il faut populariser, comme le dira le Front populaire, populariser les arts, ouvrir à tous, faire que les musées, l'enseignement aussi des arts soient ouverts au peuple. Dis donc, qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Ce sont des camarades, des ouvriers. Ils viennent là le soir répéter. Il y a même des professionnels qui les aiment. Tu comprends, nous, ce qu'on voudrait, c'est ramener en France le goût de la musique et du théâtre. Camarade, tu n'es pas seul. Au plus profond de ta détresse, paysan, ouvrier, chômeur, jeunes gens et jeunes filles, le Parti communiste vous appelle. Dans le domaine de ce qu'on n'appelle pas à l'époque la culture, mais disons les arts, les lettres, voire aussi l'éducation, hein, on peut dire qu'elle annonce un certain nombre de réformes, voire de petites révolutions, qui ponctuent l'histoire de la France sous la Troisième République, mais aussi sous la Quatrième, sous la Cinquième, jusqu'au ministère Malraux, voire au ministère Lang. On parle désormais de politique culturelle. Le général de Gaulle crée un ministère de la culture, ce qui n'existe pas dans de nombreux pays. Et avec André Malraux, fait valoir l'action de l'État tout-puissant en inaugurant de fringantes maisons de la culture. Il faut faire aussi, sans doute, un centre national de diffusion culturelle pour que tout ce dont nous disposons puisse se répandre et être vu, entendu, connu par le plus grand nombre possible d'hommes et de femmes de Chine. Les maisons des jeunes et de la culture, MJC, ne vont pas contenir très longtemps la soif d'émancipation de la jeunesse. En 68, les étudiants réinvestissent les Beaux-Arts. Dans le monde entier, on entend « révolution culturelle ». Après plusieurs autres villes aussi différentes que Rome, Berlin, Ouest ou Varsovie, l'agitation étudiante s'est manifestée à Paris. À partir de 68, on va voir apparaître un nouveau regard sur la Commune. Le regard qui est au fond un regard nourri par la pensée libertaire. Significativement, on va trouver à partir de là des travaux qui vont faire référence à cette liberté, à cette autonomie, à cette dimension festive. Le fait que des ouvriers deviennent des porte-parole, la place des femmes dans la Commune, me fait beaucoup penser à ce que j'ai vécu, moi, tout jeune adolescent, dans les premiers jours de 68. J'avais 14 ans. Hein. C'est le souvenir que j'ai de 68, cette sorte d'ivresse de prendre possession de la rue, déjà, de marcher au milieu de la chaussée. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y a une conquête du pavé parisien, au sens strict du terme, de la rue, et puis des pavés qu'on dépave, mais qui est une sorte de tradition des révolutions parisiennes. La Révolution française avait détruit la Bastille. Les Gilets jaunes assiègent l'Arc de Triomphe. La destruction de symboles s'impose. En 1871, c'est la colonne Vendôme, dédiée au dénommé tyran l'empereur Napoléon Ier, qui en fait les frais. Et pour la première fois, l'événement est médiatisé par le regard de nombreux photographes. La démolition de la colonne Vendôme a beaucoup impressionné les contemporains. On est déjà dans l'ère de l'image. On s'acharne sur un symbole, ce qui me paraît très typique des périodes révolutionnaires. Un autre héritage de la Commune, peut-être le plus fort et le plus durable, c'est celui d'une expérience de pouvoir populaire. Ce qui fascine dans la Commune, c'est le refus du pouvoir central, du pouvoir d'en haut. Le fait de vouloir être entre soi, à la base, de créer, d'inventer, de prendre les besoins du peuple,
pour les besoins essentiels et d'essayer de leur apporter des solutions. Ce jour de mars 1871, ce sont des élections qui désignent les 92 membres du conseil de la commune qui siégera à l'hôtel de ville. Les femmes, évidemment, n'ont pas été conviées au scrutin. Les communards obtiennent la majorité absolue des voix. C'est la fête. Le peuple, avec délectation, découvre les arts de la République et l'exercice du pouvoir. Seulement 29 candidats modérés, représentant les classes aisées, vont siéger au Conseil de Paris, entourés de communards. 33 artisans et petits commerçants, cordonniers, relieurs, typographes, chapeliers, teinturiers, menuisiers, bronziers, 6 ouvriers métallurgistes, 24 professions libérales ou intellectuelles. C'est très impressionnant à cette époque, évidemment. Ça le serait encore plus aujourd'hui. Ich würde von einer Volksmacht sprechen, die sich in einer direkten Demokratie manifestiert hat. Also das ist das genaue Gegenteil im Grunde genommen von einer klassischen Diktatur. Und von daher würde ich den Diktaturbegriff für die Kommunen auch zurückweisen. Also Volksmacht, direkte Demokratie. 260 actes, décrets, arrêtés, décisions sont promulgués par les communards. Dans cette action réelle de la commune qui a agi malgré tout, il y a le volet social. L'objectif, c'est la vraie République, c'est ça l'expression, et cette vraie République, c'est la République démocratique et sociale, par commodité plus tard, dans le mouvement ouvrier, on dira la sociale. Démocratique et sociale, dans l'esprit des communards, c'est inséparable, absolument inséparable. Pour quelle raison? Parce qu'ils ont en tête une idée qui est toute simple. C'est la première, c'est que la République ne peut pas être complètement la République si l'égalité de droit ne s'accompagne pas par une certaine égalité des conditions. C'est des choses très pragmatiques. Par exemple, la question des loyers est une question cardinale à l'époque, à la suite de la spéculation qui a accompagné le Second Empire. Dans les conditions dramatiques du siège entre septembre et le début de l'année 1871, les catégories populaires ne peuvent pas payer le loyer. 21 assiettes, une table en chêne tirée, devant une chaise, une horloge avec sa boîte, une cuisinière, marque Benec. Le paiement des loyers sera suspendu et des logements vacants seront réquisitionnés pour les mal logés et les plus démunis. Aujourd'hui, on rêve encore d'y parvenir. Oui ou non, prendre leurs responsabilités et dire on arrête de détruire le logement des classes populaires pour réquisitionner les logements vides. Les ateliers abandonnés sont également réquisitionnés. On profite de cette réquisition pour confier la gestion des entreprises abandonnées, aux associations ouvrières et notamment aux chambres syndicales. Vive la sociale. Le peuple prend le pouvoir dans une joie infinie, si fier de lui-même. Vingt-cinq ans après la revendication des communards, sera créée la première bourse du travail. Au fronton, un hommage à l'un des plus célèbres communards, Eugène Varlin. Varlin le relieur, Varlin le militant du mouvement ouvrier, le féministe d'une certaine manière. Varlin avait ouvert une espèce de petite pension. Et dans cette pension, les femmes étaient dans un dortoir. Et puis il y avait la présidente de la pension, et la présidente de la pension convoquait chaque nuit un des hommes, parce qu'il y avait des hommes dans la pension, à coucher avec elle. Voilà. Alors on a célébré ça comme une espèce de grande liberté, mais enfin, on se dit que les hommes en tiraient pas mal de profit aussi. Reprenons. On crée des lieux où les syndicats peuvent exercer leurs activités. Les droits des travailleurs sont un peu plus reconnus. On nous interdit l'accès à la bourse. La bourse est bloquée depuis ce matin. Il y avait une assemblée générale interpro qui avait eu lieu, et donc les camarades, en fait,
en partant, en voulant rejoindre la manifestation, sont bloqués. C'est une attaque directe contre le mouvement ouvrier. La commune ouvre la porte à ce qui sera, par la suite, le mouvement ouvrier qui, j'allais dire, au moment où la commune se déclare, qui est uniquement en ébauche. Pendant toute une période, les héritiers de la commune, c'est le mouvement ouvrier. Dans le mythe de la commune, il y a l'idée que celle-ci reste unie, alors qu'elle passe son temps, bien entendu, à se fracturer. Il est donc normal que l'une des qualités de la commune, ce soit justement son hétérogénéité, parce que ça permet à plusieurs familles de s'en réclamer. Pour simplifier, la famille socialiste autoritaire qui ira jusqu'au bolchevique, une famille socialiste plus libertaire, les vrais anarchistes, et puis les proudhoniens d'ailleurs qu'on ne peut pas facilement classer, tous peuvent se réclamer de la commune. Et j'y ajoute, pensez à des gens comme Clémenceau, des gens qui ont accompagné la commune, qui ont pu éventuellement s'en éloigner, mais qui sont des fondateurs vraiment de la Troisième République. La Troisième République est peuplée d'anciens communards, parfois assagis ou simplement ralliés. L'héritage anarchiste est peut-être un des plus intéressants. Louise Michel était une anarchiste. Les libertaires revendiquent la commune parce que la critique du pouvoir, le pouvoir à la base, toutes ces choses-là, vraiment la critique fondamentale du pouvoir, c'est quelque chose qui est très fort dans la commune. Bon, je vais mettre les pieds dans le plat, mais parmi les héritages, sans doute pas majoritaires, mais très distincts de la commune, il y a un héritage d'extrême droite contre le système. Et la revue socialiste qui est rempli d'anciens communards, est tout à fait judéophobe pendant une dizaine d'années. C'est l'affaire Dreyfus qui va cristalliser, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, le socialisme français, et ensuite à l'étranger d'autres socialistes, va s'épurer de ces antisémites. Hein. Il faut vraiment la mobilisation des Dreyfusards pour qu'il y ait la bascule. Il faut quand même qu'on le dise, merde. Tous les ans, le peuple de gauche se retrouve uni, ce qui est à noter, dans les commémorations de la défaite de la Commune. Battant le pavé depuis le début du XXe siècle pour fleurir le mur des fédérés où furent fusillés 147 communards. Face au fameux mur, le carré des dignitaires communistes français, jusque dans les tombes, la commune serait communiste. Point final. Le Parti communiste français va, bien entendu, opérer une intégration de la commune de Paris à ses mythologies personnelles et l'enterrement au pied du mur des ferrés, d'erré ou quasiment d'un certain nombre de notables communistes, montre bien qu'on a là un lieu de culte révolutionnaire très cohérent. Jeune de France, vous étiez sur les barricades de la commune de Paris. En avant, sous le grand et invincible drapeau de Marx, Engels, Lénine, Staline, en avant. Pour parvenir à une unité solide de toutes les forces ouvrières et démocratiques du pays. Symbole de la commune, ce mur marque la fin de l'aventure, par le sang. Les Versaillais bombardent Paris. Les communards allument d'immenses incendies. Paris brûle-t-il ? Oui. 130 000 soldats versaillais prennent d'assaut la capitale. Entre 20 000 et 30 000 communards perdront la vie durant cette semaine sanglante. Les ultimes affrontements auront lieu au cimetière du Père-Lachaise, à l'Arme Blanche. Pour finir, les derniers survivants seront fusillés, dos au mur. Et la dernière barricade tombera sous les assauts des Versaillais le 28 mai, rue de la Fontaine au Roi, semble-t-il. Fin de partie. La répression, voilà une des raisons aussi de se souvenir de la commune. C'est quand même
une grande hécatombe. C'est une des grandes hécatombes ouvrières et populaires du XIXe siècle. Et il y a d'ailleurs quelque chose d'absolument fascinant à voir cette minorité assiégée qui sait qu'elle va mourir. Elle sait qu'elle va mourir. Il n'est pas possible qu'elle triomphe. Et qui continue et qui s'en va inexorablement vers la mort en l'acceptant. Je pense que cette fascination de la mort est aussi pour quelque chose dans la fascination que la Commune exerce sur nous aujourd'hui. À la fois l'espoir absolu et puis la crucifixion, le sang. Je crois que c'est un modèle accablant d'ailleurs pour les pauvres êtres humains qui errent dans la vallée des larmes. Et la Commune de Paris fait partie de cet arsenal sacrificiel. Donc c'est parfait. La brièveté de cette expérience qui se termine dans le sang, d'une certaine manière, donne à la Commune cette image de la révolution pure, la révolution sans les perversions qui ont pu accompagner son développement. Au fond, la Commune, c'est la révolution d'octobre 1917 sans le stalinisme. C'est la liesse de Cuba en 59 sans les refermements, les enfermements, les raidissements du communisme cubain par la suite. Die deutsche Sozialdemokratie hat sich ganz empathisch auf die Pariser Kommune bezogen, als sie gerade untergegangen ist. Ganz berühmt ist da ja die Rede von August Bebel im Reichstag. Notons qu'Auguste Bebel est le père du socialisme allemand. Der er prophezeit hat, dass der Schlachtruf des Pariser Proletariats der Schlachtruf des gesamten europäischen Proletariats werden würde. Da war die revolutionäre deutsche Sozialdemokratie in Gänze an der Seite der Kämpfenden in Paris. When the Communards began their occupation of Paris and their control of Paris, the troops, the regular army was weak in France, and that Bismarck agreed to release French prisoners of war to strengthen the army, the French army of the government, in order to attack and defeat the National Guard controlled by the Communards. Then again, it shows that the national wars are less significant to the ruling class than the war against workers. Certains écrivains, encore, seront en première ligne pour se réjouir de la terrible répression. Que l'armée en finisse avec cette orgie, George Sand. Sauvé, sauvé, Paris était au pouvoir des nègres, Alphonse Daudet. Les politiciens versaillais ne seront pas en reste. Il y aura quelques maisons de trouées, quelques personnes de tuées, mais force restera à la loi, Adolphe Thiers. Aujourd'hui, la lutte est terminée. L'ordre, le travail et la sécurité vont renaître. Maréchal MacMahon. Mais le temps œuvre et à des milliers de kilomètres de Paris, la Commune semble rebondir pour la première fois. Il y a comme un goût de déjà-vu quand 46 ans après s'impose la révolution russe en 1917. Lénine déclare « La révolution aboutira à une seconde et victorieuse commune de Paris, ou bien nous serons écrasés par la guerre et la réaction. » Lénine hat aus der Commune gelernt, ganz viel. Vor diesem Hintergrund war ihm die Commune durchgängig Beispiel und Ansporn und eben tatsächlich die Folie, vor der an der er überprüft hat, welche Fehler die Bolschewiki nicht wiederholen sollten. Pour les bolcheviks, la Commune de Paris sera un modèle, et vous connaissez l'anecdote racontée par Trotsky sur Lénine qui danse dans la neige quand les bolcheviks sont restés au pouvoir un jour de plus que la Commune de Paris. La Commune de Paris
reçoit le relais de la Révolution française et le transmet au moment révolutionnaire, ou d'ailleurs réformiste, comme le Front populaire, du XXe siècle. Le goulag, le culte de la personnalité, les procès truqués, la famine. Finalement, les idéaux de la commune ont été trahis par les héritiers russes. Und der Verrat, am Beispiel der Kommune, den würde ich in der Sowjetunion auf Stalin datieren. C'est l'échec, bien entendu, du soviétisme, c'est-à-dire d'un parti pris émancipateur qui, par étatisme prononcé, finit par se retourner en son contraire et donc tourne le dos à l'idéal initial qui est celui de la Commune de Paris. Il y a eu des perversions de l'idée émancipatrice. Le stalinisme a été une expression de cela. Je pense que la révolution culturelle chinoise de 1966 fait partie aussi de ces perversions. On pourrait se dire, c'est donc, au fond, mais la signature de la fin des grands idéaux de la Commune de Paris. Moi, j'ai tendance à penser, je dirais presque le contraire, c'est qu'aujourd'hui, les héritiers de la Commune ne sont pas nécessairement situés dans l'orbite du mouvement ouvrier. Les altermondialistes attaquent. Nous prenons en main les vraies préoccupations des gens. Protéger les services publics, protéger la paysannerie, être solidaire avec d'autres pays du monde. Les activistes du DAL, les zadistes de Notre-Dame-des-Landes. 1871, les Versaillais avaient écrasé la Commune de Paris. Les ZAD sont aujourd'hui comme autant de nouvelles communes libres. Les étudiants de Tolbiac, les militants de Nuit Debout. On prendra la place Bellecour et on changera le cours des choses. Allez, courage et luttons. Plus près de nous, les Gilets jaunes, et à l'échelle internationale, nous avons évidemment l'exemple connu de la révolte kurde de Syrie qui se sont constituées en commune du Rojava. Nous sommes la résistance des femmes opprimées par Daesh. Vous savez, la liberté d'un pays commence par celle des femmes. Je pense que cette diversité, cette richesse des regards, c'est quelque chose de fantastique. Ça reflète la réalité de la commune, qui n'était pas unique, qui était plurielle. Une pluralité qui pouvait arriver à certains moments donnée à la cacophonie, n'empêche une richesse incroyable. S'il y avait une leçon que je retiendrai, c'est on ne doit jamais s'habituer à la fatalité d'un ordre existant qui réserve l'essentiel de la richesse, des avoirs, des pouvoirs et des savoirs à un petit nombre et qui en écarte le plus grand nombre. Les rescapés de la commune ont continué à se retrouver quelques années, puis ils se sont effacés. Les traces demeurent. Le monde a changé, les hommes aussi, c'est la colère qui commande l'économie. Comment faire appliquer les bonnes règles? Les batailles sont violentes, les nôtres saignent. Le roi dans le château est loin, c'est la guerre dans la ville et le château est loin. Les cris de nos semblables ne résonnent plus jusqu'aux oreilles du roi car le château est loin. Ce monde attend que le ciel s'effondre. La prophétie mentionne la venue d'un gosse mais plus personne ne croit à ces vieilles légendes. Ce gamin attend que le ciel s'effondre. La prophétie mentionne l'avènement d'un roi, mais plus personne ne croit à ces vieilles légendes. Eh, quand je ferme les yeux, cette histoire résonne dans ma tête. Quand je ferme les yeux, j'entends plus que le chant des vents. Quand je ferme les yeux, ma tendresse s'étiole dans la haine.